Voici les meilleures astuces sur Fortnite OG que vous devez absolument connaître. Et on commence directement avec du lourd. Si maintenant vous êtes équipé d'un buisson, vous ne recevrez aucun dégât si une grenade vous touche. Comme vous l'avez sûrement remarqué, on ne peut plus nager sur Fortnite. Donc ça veut dire que si vous tombez à l'extrémité de la map, vous allez directement mourir. C'est pour ça que Fortnite a placé des failles tout autour de la map pour ceux qui jouent en zéro construction et qui ne peuvent justement pas remonter. Pour éviter ça, Fortnite a placé des failles illimitées que vous allez pouvoir utiliser en Battle Royale normal pour justement vous redéployer. Petite astuce de déplacement, quand vous utilisez des grenades à onde de choc, à l'atterrissage, glissez juste avant d'atterrir pour prendre de la vitesse et vous déplacer plus rapidement. Ça fonctionne aussi avec le grappin, quand vous atterrissez en planeur et quand vous utilisez une tyrolienne. Les pièges que vous allez utiliser contre vos adversaires font maintenant 150 de dégâts. Et les grenades refont 100 de dégâts aux adversaires. Comme vous l'avez sûrement remarqué, on ne peut plus utiliser les pompes à essence parce que tout simplement, les voitures de golf ont de l'essence en illimité. Donc ça veut dire que les pompes à essence sont peut-être inutiles, mais pas tant que ça. Parce que vous pouvez toujours les faire exploser et infliger des dégâts aux adversaires. Et ça fonctionne aussi avec les citernes à mazout. Les lamas dans cette saison, même si vous leur tirez dessus, ils ne bougeront pas. Donc vous allez pouvoir les looter tranquillement. Voici les meilleures solutions pour farmer les matériaux le plus rapidement possible. Pour le bois, les petites palettes jaunes que vous allez trouver un peu partout sont super efficaces. Après, les gros arbres sont efficaces également et vous allez pouvoir en trouver énormément à Weeping Wood. Pour la pierre, les gros rochers sont super efficaces. Et si vous voulez un emplacement où il y a plein de rochers, à côté de l'Azilinx dans un cratère, il y en a énormément. Pour le métal, les conteneurs sont vraiment pas mal, mais le mieux c'est vraiment les véhicules. Et les véhicules, vous allez en trouver énormément à Risky Reels. Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait le retour des distributeurs automatiques. Et ce qu'il faut savoir avec ces distributeurs, c'est que vous allez devoir les payer en matériaux pour obtenir l'item à l'intérieur. Et chaque distributeur vous proposera un maximum de 3 objets. Pour choisir votre objet, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez taper le distributeur pour switcher entre les objets. Là, je vous affiche une map avec les emplacements les plus chauds où vous allez pouvoir atterrir. Les emplacements en rouge, ce sont les emplacements où vous allez trouver le plus d'ennemis. Et je vous ai même mis des petites flèches pour vous indiquer le chemin à suivre si vous voulez faire un maximum de kills. Le chemin se termine toujours au-dessus de Dusty Divo, tout simplement parce que c'est une zone dégagée. Et de cette zone dégagée, vous allez pouvoir repérer les ennemis restants pour pouvoir aller les rush. Les zones qui sont en jaune, ce sont des zones dangereuses, mais pas très jouées, donc c'est assez safe. Et si vous voulez vraiment prendre aucun risque en début de partie pour vous looter, vous avez juste à rejoindre les villes qui sont à l'extérieur de la map que je n'ai pas entourées. Alors petite information supplémentaire, voici une map avec tous les emplacements des vannes de réanimation. Et dernière information pour ceux qui veulent participer à des tournois, il faut savoir qu'il y a plein d'armes et d'accessoires qui ne seront pas autorisés en tournoi, dont le lance-grenade, le lance-roquette, le quadrilanceur, les grenades à onde de choc, le lance-grenade de proximité, le C4, la frappe aérienne, la faille à débris, l'inverseur de tempête et les avions. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je referai peut-être une partie 2. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace out.